l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Nous chita n'a pas prié. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Assoyez ça pour une autre occasion, pour nous ensemble. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole et pour l'étudier et pour connaître ta volonté. Nous demandons au Seigneur pour pardonner nous de péchés, nous, de iniquité, nous, de faute, nous. Et assoyez nous demander sous base parole pour purifier nous. Rendre-nous dignes, non seulement pour nous ouvrir parole, mais pour nous expérimenter présence ou puissance ou, et pour que nous capables de comprendre et plus que jamais le plan qu'on a pour nous. Assoyez-vous, nous demander au Dieu, on va toucher si là eux qui est présent dans l'espace ça, et si là eux qui est en ligne, qui va étudier avec nous. C'est vous-même qui te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions par ton Saint-Esprit pour illuminer nous, éclairer nous et faire que parole ou capable un instrument que Saint-Esprit va servir pour édifier nous, pour grandir nous dans la grâce. N'a pensé à ceux-là qui malade dans mitan nous, dans l'assemblée, ou qu'on est ou pas au nom du Seigneur. Côté où il la caillou, côté au coucher, côté à souffrir soit émotionnellement, physiquement et mentalement. Nous demandons, on va toucher au Seigneur par ton bras puissant. Ça, qui est en ligne, au Dieu, qui est avec nous. Et quel que soit et ça qu'il a expérimenté, qui causait du chagrin, de la tristesse, au nom de Jésus, nous demandons que ton Saint-Esprit touche. Nous prions, et Père éternel, pour ceux là qui sont troublés dans le monde, soit dans ceux qui sont dans les pays qui sont en guerre, et comme. Israël et Gaza, comme Ukraine, Russie et d'autres pays encore qui troublés, nous demandons que, surtout pour petit, ou cap vivre dans le pays, ça, yo, on va jeter un regard favorable sur eux. On va faire écran autour de eux-mêmes pour assurer leur protection et provision. On va demander pour jeter un regard sur le pays de Haïti, Seigneur. Nous capables de dire, tant que le serviteur l'a dit, nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous continuons à espérer dans nous, pour qu'on soit capable de faire au-delà de ça nos pensées, de ça nos mandats pour pays nous, Haïti. Assoyez nos mandats, on va jeter un regard également sur le pays dans lequel nous trouvons nous. Et on t'a dit à ton saint serviteur que. Pour ne pas oublier le pays dans lequel nous avons séjourné, parce que bonheur nous dépend de bonheur pays ça. Voilà pourquoi nous demandons pour capable qu'imbé les États-Unis d'Amérique, et si là qui est au timon des affaires, fait que le pays ça capable de soudé à moralité judéo-chrétienne pour que fondement pays ça capable qu'imbé à cause de tes élus qui crient à toi jour et nuit, Seigneur. Nous demandons écouter. Prière, papa. Bénis-nous tous en abondance à soya. Prenons un bon moment et fait que tant que nous va passer autour de parole, nous va avoir un temps qui bénit. C'est prière nous adresser à nous-mêmes. Pendant que nous demandons remplir nos pensées avec cet esprit pour nous joindre clarté dans le langage, dans les mots qu'il faut pour nous assurer l'étude ça. Au nom de Jésus, nous prions à Jésus seul, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Assoyez, on a fait deux lectures pour nous-mêmes, et puis à partir de lecture ça y est, on a ouvert l'étude là. Et pour un barème, m'a pas tiré attention sur lui-même, c'est que et dernièrement, nous avons étudié plusieurs
grandes religions du monde. Nous avons étudié l'islam, nous avons étudié le judaïsme. Mais à ce moment-là, nous avons penché sur un point que nous n'avons pas de temps et touché. Et avant que nous ayons point lié, je vais vous tourner le Bible avec moi, c'est dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, m'appelle pour même les 12 premiers versets. Jean chapitre 1er. M'espère que vous joignez. Et pendant que vous joignez, m'appelle faire lecture là pour même. Attendez qui ça le dit. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et m'appelle verset 13-14 là tout, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est la première lecture que nous faisons. Et puis, ma fond deuxième lecture, avant que m'annoncer au sujet, c'est dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et m'en pour tourner là-dedans. Et puis, ça permet qu'on ait. Alors, on va suivre la lecture que nous allons faire dans le verset ça. C'est à partir du verset 25, Romains chapitre 11. Tandis qu'il ça le dit. Il dit, car, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, écrit ça, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ok, Assoya, je voulais saisir partie que Pat Guintan a abordé dernière fois qu'on a étudié Israël et le judaïsme. Et nous voulons étudier ce sujet, ça, la conversion d'Israël. La conversion d'Israël. Bon, l'entend de la conversion d'Israël, qui ça faut réfléchir, qui ça faut, qui côté ça mène en matière de réflexion. Réalité, c'est que il est vrai que Israël, comme on nation, t'es retourné en nation le 14 mai 1948, qui est venu, était dans la dispersion. Puis on va le tourner, donc gros mouvement, le sionisme. Et puis après, en pile goumé, en pile bataille, ils ont reconquéri le territoire, ils ont formé l'État d'Israël. Et d'après prophétie, qui est dans Ézéchiel 37, 38, 39, 39, côté que, alors il y a parti de Ézéchiel 36, 37, Ézéchiel a trouvé le vallée qui chargeait Zosman. Et puis, et bon Dieu dit, il soufflait sous Zoyo. Et il va reprendre vie. Et qui ça qui arrive? Ézéchiel, ouais, que dans la vision de la vallée, Zoyo vraiment commencé à camper, vient de monter sous yo, excepté que il n'y a pas de gain vie. Là, l'histoire, la réalité qui est
qui des visions Ézéchiel là, c'est que l'Israël tournait dans le pays, viande poussée sous ossement, yo forme une nation, mais seul ça qui est important à ce point, c'est que la vie divine pour la nation. Bon Dieu pour qu'on prend possession de la nation. Yo forme un État, mais yo pour rentrer dans la ligne bon Dieu, dans la mesure où Israël pas croit que Jésus-Christ est le Messie. Qui fait que c'est aussitôt, alors m'a anticipé, c'est aussitôt que l'Église a enlevé, bon Dieu pourra recommencer le travail avec Israël, et c'est le ça, l'Esprit bon Dieu pourra l'éclairer, le ça y a pour prendre vie, conformément à vision Ézéchiel, lorsque le Tévoisos m'a eu dans Valéa, et il y a une chair qui montait sous eux, mais il n'y a pas de vie. Et il faut que il était prophétisé sur eux pour que il reprenne vie. Alors, m'a tout fait le clair pour même. Israël, son nation, depuis 1948, j'ai formé l'État d'Israël, mais il n'y a pas de dans la ligne de Dieu. Il n'y a pas de retourner le peuple de Dieu. Et c'est raison ça qui fait que nous sommes capables de parler concernant la conversion d'Israël. Et nous, là, oui, dans verset 25, l'apôtre Paul écrit, il dit comme ça, dans Romains 11, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. » Il dit, « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et puis il dit, alors lorsque il dit la parler concernant Israël entré dans l'endurcissement, il fait référence à tout juif qui par contre bon Dieu. Et jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée, ça fait référence à nous-mêmes. L'ère de la grâce, l'ère de l'Église, côté que l'Évangile, tout le monde a accès à lui-même. Et tout le monde a accès pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toujours est-il, même dans la dispensation de la grâce, là, il y a une série de juifs, il y a les juifs messianiques. Juifs messianiques, c'est les juifs qui croient que Jésus-Christ est le Messie. Et juifs ça yo yo pas compté parmi San Décarelé Israël qui n'a endurcissement parce que yo croit Jésus-Christ c'est le Messie. Réalité c'est que le yon païen croit dans Jésus-Christ, li rentre dans l'église. L'on juif croit dans Jésus-Christ, li rentre dans l'église. Yo tous les deux groupes yo formé yon seul peuple. Et le Christ tourne pour le vin enlever, l'a pas enlevé. Et juif chrétien et pas un chrétien. Faut toujours faire différence là. Grande différence entre Israël, l'Église, païen. On juif converti, on païen converti, pas une différence encore. Ils ont entré dans l'Église. Et peut-être ça dans Galates 3, verset 28, il dit comme ça, il n'y a maintenant ni grec, ni juif, ni barbare, ni libre, ni esclave, ni scythe. Il dit car Christ est tout et en tous. Alors nous fait référence à juifs messianiques. Il y a environ 2% et 2% population Israël qui évalue entre 8 à 10 millions d'habitants. Il y a 2% israéliens ou bien juifs qui sont des juifs messianiques qui croient en Jésus. Mais la majorité des juifs de la population d'Israël, ils n'ont pas cru que Jésus-Christ est le Messie. Ça qui veut dire que c'est dans le contexte ça. Romains 11, verset 26 dit, tout Israël sera sauvé. Qui le tout Israël a sauvé? Qui la majorité juive qui est pour tourner vers Christ à la fin des temps? Pas dans le temps ça, à la fin des temps. L'obtention des nouvelles sur Israël, l'obtention d'Israël, songez que c'est une nation que Dieu a choisie en vertu de l'alliance qu'il avait eu avec Abraham. C'est une alliance inconditionnelle. Et tout ça, bon Dieu a fait pour Israël, Kounia, l'a fait sous base alliance qu'il a fait à Abraham. Mais Israël, dans lui-même, le peuple d'Israël, son peuple actuellement qui est dans l'endurcissement, puis qu'on regarde un juif, quel que soit côté lié avec. Il prend la synagogue pour penser son paquet de bagages. Ça n'a pas représenté rien
Parce qu'avec Christ qui vient sous terre, avec le Messie qui mourit, qui ressuscité, tout le monde net pour pouvoir joindre bon Dieu, il faut qu'on passe par Jésus. Ainsi, on peut parler de la conversion d'Israël, parce que Israël pour qu'on converti. Israël pour qu'on converti. Maintenant, ça fait beaucoup converti, parce que il n'y a pas jamais accepté que Jésus-Christ est le Messie. Qui l'a converti? La Bible a dit comme ça, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, une prophétie pour ça, Romains 11. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Il dit, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Pour pouvoir tes péchés, il faut que Israélite croit que Jésus-Christ est le Messie. L'autre, dans Jean 1er, il y a quelques choses avec vous pour noter qui progression ça prend qui menait Israël dans l'Ingza à côté que pays a converti. Mabdo, regardez, un pays païen, mon n'a pas adoré idole, ou capable de pointer pays ça du doigt, on dit son pays païen, mon n'a pas adoré idole. Mais regardez Israël et son y aurait la terre sainte. Comment comprendre côté relé la terre sainte et puis mon qui occupe terre, il va pas converti. Faut réfléchir. Et Bible dit et Bible dit pas converti. Ainsi, c'est pas parce que caillou sur la terre sainte. Et parce que grand morceau terre sur la terre sainte qui faut saint pour ça. Autrement, tout 8 10 millions juifs sont saints. Mais Bible a dit que il va pas sauver. Bible a dit tout Israël sera sauvé lorsque le libérateur qui est Jésus viendra pour ôter leur péché dans la mesure que au coin dans lui. Il y a quelques barèmes que je veux souligner avec vous, par exemple, l'Ordre Jean 1er. Mais pour les barèmes que je veux souligner avec vous par rapport à cette affaire de Messie, par exemple, l'un dit Messie, nous l'a dit, celui-là que Dieu a envoyé, le Christ, que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Malgré que tu as plusieurs prophéties sur ça, il y a au minimum 300 prophéties que Christ accomplit, qui accomplit dans Christ plutôt. 300 prophéties qui accomplissent dans Christ, prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament, qui prouvaient que Jésus-Christ est le Messie. Malgré ça, je ne suis pas quoi. Je vais vous noter avec vous dans Jean 1er. Dans Jean 1er, nous voyons le Messie refusé. Notez le premier point avec moi. Le Messie refusé. Dit dans Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, qui ça? Dieu, ça fait référence à Jésus-Christ. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Encore, ça fait référence à Jésus-Christ. Il dit, en elle était la vie, dans Jean 1, verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Malgré Jean-Baptiste annoncer Jésus-Christ, fait tout le monde connaître, c'est lui-même, il n'y a pas, juste pas recevoir. Il dit, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière, afin que tous crussent par lui. Avant Jésus-Christ venu, Jean-Baptiste, cousin Jésus-Christ, qui fait 6 mois avant, était en train d'aller proclamer que Jean-Baptiste était en train de prêcher, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissé le sentier du Seigneur. Il était préparé la voie pour Jésus. D'ailleurs, nous soyons que c'est Jean-Baptiste qui était baptisé Jésus. Jean-Baptiste dit tout le monde qui t'a suivi, ses disciples, et pas moi que lumière, non? Je viens rendre témoignage à la lumière qui c'est Jésus. Et puis Jean-Baptiste dit, cette lumière, alors. Jean 1, verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et puis tandis qu'il s'en dit dans verset 10, ça c'est le Messie refusé. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde de là, point connu. Les mêmes qui fait tout le monde dans le monde là et le monde là pas connu. Pas oublier, il a parlé de monde là, il n'a pas parlé de cosmos là. La Bible a parlé de monde, la Bible a parlé de monde trois genres. Premièrement, il y a le monde, le cosmos. Il y a le monde de la population mondiale, il y a le monde le système mondial. Vous comprenez? Le monde, le cosmos, et le monde, la population du monde, le monde, le système du monde. Et c'est lorsque elle dit là, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Regardez plusieurs mondes qu'il a. Elle était dans le monde, la parole a été toujours, tout, la parole a toujours existé et le monde a été fait par elle, c'est lui qui a tout créé, et le monde ne l'a point connu. De qui monde, dernier monde, c'est qui monde lié. Il est facile pour ça. Le monde qui est dans le monde là, il n'y a pas
n'a pas accepté. Puis plus encore, mais à qui est-ce que fait référence? Elle, la parole, Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui est-ce qui est sien? Juif pareil. Lui, Jésus-Christ est juif. Il est venu parmi juifs pareil. Il y a 300 prophéties qui accomplies dans Jésus qui prouvaient que c'est lui-même qui est Messie. Juif ne peut pas recevoir. Ainsi, là, nous voyons le Messie refusé. Le Messie refusé. Et puis, donc on est Jésus qui a commencé le ministère à 30 ans, fait 3 ans et demi de ministère, et pas tout le monde te connaît. Les chefs religieux te connaissent très bien. D'ailleurs, c'est eux qui complotaient avec l'occupant pour te tuer. Le peuple même te connaît Jésus qui très bien. C'est des foules plurielles qui te suivent. Les guéris malades, soyez lépreux, bâillez moun manger. Jésus qui était très populaire. Le commentateur yo, qui a appelé Bible en profondeur, a regardé qui va le monde qui compte suivre Jésus. Nous jouons que des fois Jésus-Christ est une foule qui équivaut à 25-50 000 monde qui a coûté. Vous comprenez ça? Sans pile influence, oui. Pharisiens et chefs religieux à l'époque, pas capables de réunir tout le monde. Et peut-être ça, Jésus-Christ te mette Jérusalem tête en bas, tout le monde s'est suivi. Vous comprenez? Et il est arrivé que, après tout le temps, tout le troisième ministère, nous connaissons comment ça y est, chef religieux, met ensemble avec le peuple là, et quelques nains, pour y crucifier Jésus. Et nous songeons, le mené Jésus-Christ by Pilate mène Jésus-Christ devant le peuple là, pour le peuple là prononcer. Pilate dit, qui ça pour me faire avec roi nous? Qui ça peuple a dit? Crucifiel. Crucifiel. Et là, il dit crucifiel, nous assistons à la deuxième étape dans le parcours juif. Ça, c'est le Messie rejeté. Le Messie rejeté. Il a rejeté. Il était refusé. Il a rejeté. Il a crucifié. Il a tué. Dans Jean 5, verset 43, Jésus-Christ a montré ça non passage. Dans Jean 5, verset 43, et Jésus-Christ a dit paroles à eux, et qui sont paroles célèbres, oui. Les pratiques et les prophétiques. Les pratiques par rapport à Jésus, mais les prophétiques par rapport à l'Antichrist. Dans Jean 5, 43, Jésus qui dit comme ça, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Il dit, « Vin nan non papa, m'non pas recevoir. Son l'autre monde, vin nan non pal, non recevoir. » Et l'intéressant pour qui mot Jésus qui utilisait lorsque la parole concernait yon lot, il dit, moi vini nan non papa, m'non pas recevoir, mais si yon lot, le dit, yon lot qui pas même bagarre avec. Et ça, moi impliqué. Et puis il dit, non recevoir. Et c'est des choses qui montrent nous que ils ont rejeté Jésus. Ainsi, le Messie refusait, le Messie est rejeté. Et depuis lors qu'on a été rejeté Jésus-Christ, Juifs ont rejeté Jésus-Christ, ils ont cloué la croix. Et depuis le ça, pour jour que je dis, malgré des années, des siècles de dispersion que Juifs ont expérimenté, ils ont toujours rejeté Jésus. Juifs n'ont pas cru que Jésus-Christ est le Messie. Des juifs qui pas croient Jésus-Christ est le Messie, ils ont considéré les chrétiens comme des gens qui ont des idoles. Parce que nous croyons en Jésus. Et si nous sommes idolâtres. Nous comprenons? Troisième bagage, nous jouons dans la ligne juif qui pas croient en Jésus. Non seulement nous jouons le Messie refusé, nous jouons le Messie rejeté, nous jouons le Messie remplacé. Le Messie remplacé. Qui l'on connaît juif pour le remplacer Messie? Parce que si Jésus-Christ n'est pas Messie, il a cherché Yon. Et le joint Yon, il a dit c'est le Messie. Et si remplacé dans la mesure où mon Yon pral choisi, il pral prend place qui pas place li. Pour qu'on y a, Juif Yon
yo nan peyi yo depuis 1450 formé un état, mais on après peyi a pa gen temple côté que même gens avec l'Ancien Testament, même gens pendant le Nouveau Testament, tu as le temple côté que tu allé. C'est seulement muraille dans temple à côté. Le mur de lamentation depuis lorsque le temple a été écrasé en l'an 70 de notre ère, lorsque un général romain qui était le Titus est rentré à Jérusalem, écrasé toute bagaille, temple brûlé, etc. Jusqu'à présent, grand muraille qui était de l'ancien temple. Réalité, c'est que, pas oublier, dans Jean 1, verset 12, il dit comme ça, verset 11-12, Jésus qui est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez, nous avons une parenthèse là. Le Messie refusé, le Messie rejeté, pendant rejeté la grande parenthèse. Parenthèse là, Romains 11, verset 25-26, fait nous connaître qu'une partie d'Israël est entrée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Israël refusé, Israël rejeté, et puis l'Église rentrée. L'ère de la grâce. Il y a des gens qui posent la question, si Israël n'est pas rejeté, est-ce que nous avons besoin de place nous? Oui, et pas Israël qui fait que nous avons une place là. Place nous est là depuis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 1 à 3 dit comme ça, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants, etc. Il nous a adoptés, rachetés, etc., choisis, etc. Ainsi, c'était depuis avant la fondation du monde. Ainsi, ça, Israël fait, son parenthèse, côté que l'Église rentrait, mais nous avons rentré quand même parce que. Première raison qui fait que bon Dieu t'a choisi Abraham dans Genèse 12, Genèse 14, pourquoi il a choisi Abraham? Puis Abraham m'a choisi, m'a fait de une grande nation, m'a baron un grand nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et si bon Dieu t'a choisi un quand même, pour faire pas une rentrée, mais parenthèse Israël là, côté que il a passé carrefour, le Messie refusé, il a passé carrefour, le Messie rejeté, dans parenthèse ça, l'Église rentrée. Et dans parenthèse, ça nous est toujours. Parenthèse de la grâce. L'ère de la grâce. Nous voyons qu'elle est la fini. La fini lorsque le dernier monde qui vient pour sauver a sauvé. Parenthèse de la grâce, là, elle a commencé depuis le jour Pentecôte là. Lorsque l'Église fondée. Lorsque cet esprit descend, l'Église fondée. Parenthèse de la grâce, là, l'ouvre. Nouvelle alliance, là, l'ouvre. La fermée lorsque le dernier monde qui pour sauver a sauvé. D'après 2 Pierre 3, verset 9. Il dit comme ça, l'Éternel, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et que les parenthèses a fermées aussitôt que l'Église enlevée. D'après 1 Thessaloniciens 4, verset 14, 16, 17. Aussitôt que l'Église enlevée, gagnons chef. Gagnons chef en Europe. On chef en Europe. Cap dans tête, confédération de 10 nations. Et chef ça, c'est pral antichrist. Et chef ça, il pral essayer alliance pour le bail Israël paix et sécurité. Et là, il signe alliance pour le bail Israël paix et sécurité. Et pour commencer en période de 7 ans de tribulation qui est passée sous terre, eh bien, c'est le ça, Israël pral tomber dans la troisième étape, le Messie remplacé. Il a remplacé vrai Messie par un faux Messie. Et nom ça pas d'autre, l'autre nom que personnage ça que Bible il est comment Antichrist. Nous joignons un verset pour lui-même, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, m'appelez-le pour même. Et verset 1er, tandis qu'il s'en dit, et c'est un passage qui montrait que Antichrist vient pour le paraître. Il dit dans verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je veux dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et l'apôtre Paul écrit Chrétien Thessalonique pour le faire connaître. Mais comment avènement Seigneur a fait? Pas oublier, il y a enlèvement, il y a avènement. Enlèvement,
c'est lorsque l'Église, enlevée pour la joindre Christ dans les airs, l'avènement, c'est 7 ans après l'enlèvement, Jésus-Christ paraît visiblement toutes girouelles sous terre. Ça, c'est l'avènement. Fait différence là. Enlèvement, avènement. Enlèvement, c'est privé. Avènement, c'est public. Mais c'est pas que vous songez. Eh bien, chrétien Thessalonique, il a reçu quelques fausses lettres qui disent que c'est Paul qui écrit. Et Paul court dire ça. C'est une des une lettre qui dit moi qui t'ai écrit, n'est pas vrai. Je n'ai pas écrit pièce. Mon cap détourné, nous cap dit comme ça que l'avènement de Christ a fait déjà. Non, Paul n'est pas vrai. Puis Paul tout profite pour faire une étude biblique avec eux. Il dit, mais comment l'avènement a fait? Verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il dit comme ça, avant l'avènement fait, la terre a traversé une période d'apostasie. Une période d'apostasie, moi, je dis, une période côté que quelqu'un est capable de donner la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi, il y a des gens qui ont montré que, il y a des gens qui ont pensé qu'ils avaient la foi, et acte pour montrer que ils n'ont pas déjà la foi. Apostasie, apostate, des gens qui n'ont pas la foi, qui ont abandonné la foi, qui montrent finalement qu'ils n'ont pas déjà la foi. Et la terre, à travers ces moments-là, oui, tant d'apostasie. Il dit comme ça, non seulement ça, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, mais qu'on ait connu l'avènement par le fait. Avant l'avènement, il faut qu'on ait vu. L'un des avant l'avènement, avant l'enlèvement ou bien l'avènement? Avènement. Avènement, c'est combien d'années avant l'enlèvement? 7 ans. Ça, avant nous sommes gel. OK. Il dit comme ça, avant l'avènement, qui s'en a pour? On a pour entendre l'apostasie. Et puis, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est comme ça qu'il y a l'antichrist dans la Bible. Il y a l'homme du péché. Son autre nom. Il y a encore le fils de la perdition. Son autre nom, il y a l'antichrist dans la Bible. Yoelel, t'as bien oui, mais comment il décrit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qu'on comprenne ça. Dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, on a songé raison qui fait que Satan était chassé de ciel là. C'est parce que il était dit que je serai semblable au Très-Haut. Mais sous temps de Odo, grand homme cap élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Nom ça, son homme qui est animé de l'esprit de Satan, et il n'y a pas l'autre nom que qui est là, Antichrist. Et il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va le faire adorer, il va le faire adorer. Lui. Et une des choses qui peut arriver après, alors avant l'avènement de Christ, dans une période de tribulation, Antichrist, ça, qui était. Qui prend le faire alliance avec Israël pour la paix et sécurité contre nation ennemie qui entoure l'Io, eh bien, Israël a compris que c'est le Christ, c'est le Messie. Pendant toute première 3 ans et demi, grande tribulation, on est 7 ans, en 2 moitiés, Israël a bénéficié d'une paix relative sous territoire, et Antichrist, à la tête de la fédération. De plusieurs nations européennes a garanti la sécurité et Antichrist a gagné pour chef Satan le diable, il y aurait le dragon. Antichrist c'est la bête et puis après ça ou gagné la Bible a parlé de faux prophètes. Même il y aurait bon Dieu, grand Trinité, Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et bien Satan tout l'imiter bon Dieu avec un comité de droit. Il y a Satan le diable, que Apocalypse décrit comme le dragon, dans Apocalypse 12-13. Il y a l'Antichrist, que Apocalypse décrit comme la bête. Et puis il y a le faux prophète. Le faux prophète, c'est porte-parole d'Antichrist. Il est le premier ministre. Ça me dit là, je me dis vite, mais j'espère qu'il y a une capacité pour songer. Parce que c'est bagaille qui m'a dit pour bien focus pour qu'il songe. Le dragon, qui est Satan. La bête qui est l'Antichrist et le faux prophète qui est son porte-parole ou bien son premier ministre. Dans mi-temps semaine, dans moitié 7 ans, pendant que Israël pensait que Antichrist c'est le Messie, Antichrist, à travers faux prophète, lui passait l'ordre pour faire une image de lui.
Image ça dans Apocalypse 13, il fait qu'on est que image là il y a un pouvoir pour le parler. Pour le parler. Et son image qui est vraiment mystérieuse. La réalité, c'est que il prend l'image là, il fait placer l'image là dans le temple de Jérusalem, il fait placer dans le lieu très saint. Donc, ça implique? Donc, on est temple là, il y a un lieu saint, lieu très saint. Pour on est conçu dans le placer dans le lieu très saint. Et à coup sûr, il y a une image qui semblait avec Antichrist. C'est pas dit qu'à se causer ça, vous voyez? Ça, c'est tout qui est le tout qui est connu, tant qu'on est ici d'Adou, avec bon Dieu même. Ça, c'est pas moi qui mets de parole. Mais nous, là, il dit ça. Mais comme on a connu avidement, c'est après le fait. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, attendez, se proclamant lui-même Dieu. Et dans Matthieu chapitre 24, Daniel, depuis dans Daniel chapitre 9, gen tan gon prophétie. Imaginez, gen tan gon prophétie qui baille déjà dans Daniel 9, verset 24-27, qui fait qu'on est sa gen pour fête. Et puis dans Daniel, le prophétie a gen tan baille déjà. Tellement prophétie a ferme. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ reprend une prophétie Daniel là pour faire connaître que ça vient pour arriver. Et Kembe de Thessaloniciens et qui t'en a fait un petit flané, un petit rivé dans Matthieu chapitre 24, ou après comment Jésus-Christ parlait de ça Antichrist gain pour le faire dans Matthieu 24. M'appli pour même verset ça. Il dit comme ça. Et Jésus-Christ qui a parlé là, oui, ça avant de monter, avant et aller à la croix, monter dans le ciel, les disciples, toutes instructions à eux. Il dit, verset 15, Matthieu 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, où est Jean Jésus-Christ a fait étude biblique avec les disciples, il dit comme ça. Le nouveau abomination Daniel te parlé de l'IA, effectivement. Abomination ça, Daniel te parlé de l'IA. Et ou abjoueni, dans, tant qu'on dit tout à l'heure, dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Et puis Jésus-Christ continue, il dit comme ça. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation de la parole de Daniel, établie en lieu saint, ouais, l'abomination établie en lieu saint. Yon abomination, yon bagay qui est abominable dans le contexte antichrist, c'est le fait que li pren yon idole, li metel, qui kote ça, dans le lieu très saint. Yon le sa. Depuis le prophète Daniel, il dit de l'abomination. Il dit comme ça, les barailles sont arrivées, on met connaît que persécution commençait pour tout juif. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. En tournant dans 2 Thessaloniciens, les barailles sont arrivées, tout juif, yos yeux, yo pral calé, y a dit nèg ça. Li pa messia parce que bon Dieu compte idole bon Dieu pas même fait idole pour tête parle parce que l'homme dit bon Dieu pas veut monde faire image taillé pour lui parce que comme on dit clairement tu ne te feras point d'image taillée. Il peut être ça même dans le catholicisme cette affaire de faire une image de Saint Pierre une image de maman Marie une image des apôtres. Nope. Bon Dieu compte image taillée. Même sous fond image de Jésus, bon Dieu compte. Même si son image Jésus fait. Vous êtes contre la parole. Parce que bon Dieu te dit, point d'image. Imaginez qu'il y a Antichrist qui fait une image de lui. Il fait déposer dans le lieu très saint.
Et Apocalypse 13, m'pa gen temps pou lire. Li fait connait que image da gen capacité pour le parler, pour le faire mouvement. Nous on qui image ça. Sont être chargé lié. Il dit comme ça, c'est bagaille ça qui va déclencher la persécution des juifs parce que mais antichrist qui devine sécuriser juif yo, qu'il y a juif qui ouais que le parle Messie, qu'il y a en pile nan yo rebellé. Yo rebellé. Yo contre lui-même et qu'il y a les mêmes qui étaient supposés yon émissaire de paix pour les juifs, ils tournaient persécuteurs yo. Jésus qui dit comme ça, c'est l'en va ouais ça. L'apôtre Paul dit chrétien Thessalonique yo, c'est l'en va ouais ça. Et là ça ne va connaître que avènement li pas loin. M'a continuer li pour encore dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit comme ça verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Notez bien. Là il dit, est-ce que nous connaissons qui ça qui kembe antichrist qui fait que le beaucoup paraît? Il dit c'est afin qu'il paraisse en son temps. Li gon le pour le paraître. Gen moun ki te pose une question qui dit est-ce que antichrist dans monde là jodi a? M'ka dit oui et non. Et m'ka dit oui parce que nous pas connait qui le Christ gen pour tourner et m'ka dit non dans la mesure où m'pa ka identifier. Mais oui et non dans la mesure où l'est gen pour le paraître, l'apparaît dans temps pâle. Mais gon bagay qui retenil qui fait que antichrist pas apparaître. Et nous pral regarder pour nous qui ça fait antichrist pas apparaître et dans verset pour nous. On va regarder verset a. Il dit concernant verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, pas oublier. Verset qui plus haut, il y aurait l'antichrist. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Et puis dans verset 7 là dit comme ça, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça qui veut dire que même lorsque antichrist peut comparaître, force li là, influence li là, pas oublier, gen antichrist, gen antéchrist, c'est même personne. Autant de par exemple l'apôtre Jean parle en pile de antéchrist, antichrist, antéchrist, antichrist, et antichrist, la personne de l'antichrist. Et li poko atterri sou terre mais gen pile moun déjà qui possédé de esprit antichrist yo rele moun sa yo antichrist nous comprenons moun ya nous comprenons moun qui possédé avec esprit antichrist yo c'est antichrist et peut-être ça l'apôtre Jean dans 1 Jean 2 1 Jean 3 li fait connait que gen plusieurs antichrist dans le monde et il mette le pluriel. Ça grand caméto le pluriel alors que antichrist c'est singulier. C'est parce que il y a plusieurs monde qui ont esprit antichrist nan yo et il a préparé la scène pour l'antichrist. Il y aurait ça le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, scène nan préparé pour antichrist paraître. Il dit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça c'est gros verset d'appeler là, on analyse. Il dit comme ça celui, oui. Ça veut dire que gon personne, gon moun qui présent, qui retenir, qui contenir force antichrist pour ne pas paraître. Il dit c'est l'heure, 10 moun ça a disparaître que antichrist capable apparaître. Tout théologien yo, uni yo, pour yo expliquer sous base de parole bon Dieu. Qui personnage ça? Qui personne ça? Qui kembe antichrist? Qui fait que antichrist pour qu'on apparaître, c'est le déplacer, l'apparaître. En nous, verset 8, là, vous allez comprendre. Il dit comme ça, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Il dit, et alors paraîtra l'impie. Celui, il dit, il faut que celui qui le retient est disparu. Et là, on lit toute Bible là, je n'ai pas de temps pour me prendre toute calte verset. Ou abjoigne que l'église t'est fondée le jour de la Pentecôte. Et là, l'église t'est fondée, elle était fondée avec la descente de la personne du Saint-Esprit. Et s'il a parlé concernant il faut que celui qui le retient ait disparu, nous tous connaissons ça qui gagne pour arriver l'église.
de façon imminente, soudainement, l'Église vient pour enlever, l'Église vient pour disparaître. Ainsi, si ça pour faire Antichrist paraître là, ça, si ça qui vient bien Antichrist qui ne veut pas paraître là, faut disparaître. Seul ça nous connaît qui vient pour disparaître avant longtemps dans l'enlèvement, c'est l'Église. Et bien celui qui retient l'Antichrist pour qu'il ne pas apparaître, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Aussitôt que Saint-Esprit dans l'Église enlève l'Église, pas de fond encore. Antichrist apparaît. J'en m'explique au lit à fois, j'en oublie. Parce que malgré mon compte là en pile, mon goût, même explique au lit. Pas oublie. Le Saint-Esprit dans l'Église, c'est ça qui quimbe, qui freine l'Antichrist pas paraître. Mais l'être Antichrist pour tant Antichrist pas être arrivé, Saint-Esprit dans l'Église. Enlever l'Église, et puis mais ça qui paraît. Verset 8 a dit. Et alors, paraîtra l'impie. Vous qu'est-ce qui est impie? Antichrist, il est l'impie. L'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Regardez, non seul verset, Bible à jambé, c'est en tribulation. Non seul verset, l'apôtre Paul atterrit avec nous dans Apocalypse chapitre 19. Parce que, pas oublier, l'enlèvement se fera 7 ans. Alors, l'avènement se fera 7 ans après l'enlèvement. C'est à la fin de la tribulation, d'après Apocalypse 19, Jésus-Christ descend avec l'armée des cieux. Et tous les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament avec lui. Ça, c'est un gros bagage, oui. Dans Apocalypse 19, l'armée des cieux descend avec Jésus-Christ. Tous les saints de l'Ancien Testament, tous les saints du Nouveau Testament descendent avec lui. Et toute armée antichrist qui vient pour combattre Jésus-Christ dans cette grande bataille qui vient pour faire dans la vallée de Megiddo, la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ a porté victoire sur eux tous. La Bible a fait comme ça. Comment elle a fait ça avec Zam? Non. Mais elle dit là, oui, par le souffle de sa bouche. Les derniers mots, m'a dit nous, mais comment Jésus-Christ pral craser plus que 200 millions de soldats dans la vallée de Megiddo, qu'elle fait coalition pour goumer avec lui. M'a dit nous comme ça, Jésus-Christ a fait. Il y a des gens qui pensaient que c'était en mise en scène. Non, à part là, nous parlons. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, hein, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Pas-tu qu'à se causer, non? Pas-tu qu'à se causer? Verset ça, verset qui font trembler. Et, il y a des gens qui disent comme ça, ben, pasteur, bah, ça a mandé. Et, alors, qui est-ce que vous avez dit? Il y a des gens qui disent comme ça, il y a un peu de gens qui vivent vrai. Si je ne suis pas converti pendant la période de la grâce, là, je prends chance moi pendant la période de grande tribulation. Tout le monde qui pose la question, ça a mes réponses là. Est-ce qu'on est capable de prendre chance? Il dit comme ça dans verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous entendez? Animé par Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'Antichrist paraît, la tête monde croit dans lui. Pas oublier. Hitler. Dans la période nazi. En Allemagne, il fait un paquet de monde qui est dans lui. Et Hitler était tellement influent, non, il doit tuer 6 millions de juifs en bas de tout le monde. Il n'y a pas de rien. Tout le monde a levé les mains et il peut dire Hail à Hitler. Ça qui montre que si Hitler a une telle influence, il n'y a pas besoin d'où qui influence Antichrist pour rien sur la terre, avec miracle à fait, avec signe, avec prodige, etc. Et qui c'est des prodiges mensongers. Et verset 10 l'a dit, dans 2 Thessaloniciens 2, et avec toute l'air qui ça, séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez. Si on ne prend pas saisi l'opportunité pour se sauver pendant la période de la grâce, la Bible a fait connaître que pendant la période de tribulation, malgré les gens qui prennent sauver, mais bon Dieu a voyé
bon Dieu a quitté au prend non esprit d'égarement. Verset a dit dans verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça qui veut dire que, écoutez bien, oui, sous un monde, tu as eu une opportunité pendant la période de la grâce pour prendre Jésus comme sauveur, ou pas de prendre, pas de aucune garantie qu'on prend Jésus comme sauveur pendant la période de tribulation. Parce que dans la période de tribulation, ministère Saint-Esprit gagné pendant l'âge de la grâce, ce n'est pas le même ministère ça que le pral gagné pendant la période de tribulation. Dans l'Ancien Testament, cet esprit qui était un ministère qui était moins actif. Il était qu'on vient sous le monde, il saisit le monde, il déplace. Dans le Nouveau Testament, cet esprit, non seulement il est sous le monde, il est dans le monde. Cet esprit dans l'Église. Le cet esprit enlevé avec l'Église, le ministère que le pral gagné pendant la période de tribulation, son ministère qui semblait être ministère dans l'Ancien Testament, il n'a pas même force à la période de la grâce là. Et l'on considère dans Jean 16, verset 11, 14, 8 à 11, c'est cet esprit qui convainc le monde pour qu'il soit sauvé. Parce que Jésus qui te dit comme ça, quand l'esprit viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement, de la justice. Si c'est cet esprit qui vous convainc le monde pour sauver, si il y a moins d'influence cet esprit, non période, il y a moins de conviction. Surtout pour le monde qui a des privilèges déjà. Ça qui veut dire que, à tout le monde qui pensait que maguetan, on va saisir pour ça. Je vais appeler verset encore. Mais verset qui dit que, pas prendre chance. Verset 11 de Thessaloniciens 2. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient comment? Condamnés. Ainsi, ça parlait de l'Antichrist, le Messie remplacé. De Thessaloniciens 2. Tout autant l'Église sous terre, tout autant Saint-Esprit dans l'Église, bon reste là. Saint-Esprit, alors, Antichrist, pas qu'à paraître. Pour Antichrist paraître, il faut que l'Église enlève, il faut que Saint-Esprit qui est dans l'Église, qui freine là, déplacé. Ainsi, dans la conversion d'Israël, qui sujet nous jouons premièrement le Messie refusé, deuxièmement le Messie rejeté. Et puis, pendant la période de tribulation, Israël prend le connaître le Messie remplacé. Et dans la mi-temps semaine, dans la mi-temps sept ans de tribulation, il prend le réaliser que l'Antichrist n'est pas le Messie. Et l'Antichrist prend le persécuter. Ce sera le temps d'angoisse de Jacob. Parce qu'il y aurait l'abomination de la désolation, d'après Daniel 9, verset 27. Et dans Matthieu 24, ce sera le temps d'angoisse de Jacob. Parce que pral gen crier, pral grêler, mais bien aimé, juif, yo, pourquoi? Juif israélite pour qu'on finisse de souffrir, non? Mais bien aimé, juif, il y a souffrir, hein? Puis lui. Son nation coule tellement raide, on dirait que toute destinée, c'est souffrance. Parce que toute souffrance qu'il prend, c'est parce que il n'y a pas jamais voulu obéir à bon Dieu. Traverser la mer rouge avec eux, il joue bon Dieu après ça. Bon Dieu avec un ami ton désert. Il y a tant de voix, bon Dieu, sous mon Sinaï. C'est eux-mêmes encore qui dit Moïse, tant pris, nous peul. L'a pas là, pas là avec le roi, dit nous ça le dit. Mes amis, peuple a fait 40 ans dans le désert, pour qui problème? Autant de bon Dieu parler, où est serviteur le monter sous tête mon nom, les serviteurs descendent en parlant de Moïse. Nous avons tellement lu, mettant qu'on bougie. Son voile Moïse met sous figure, le Moïse saute par là, bon Dieu. Et puis peuple a gagné courage. Ils ont plein pour manger. Ils ont plein pour de l'eau. Ils ont joué bon Dieu. Bon Dieu dit finalement, pas grand rien m'a fait, non? Nous, tout grand monde qui sont en Égypte, nous mourir dans le désert. Nous mourir dans le désert. C'est plus génial qu'à rentrer. Mais on s'est arrivé. Et tout est maman, tout est papa, petit, tu es avec même j'aime. Ils ont traversé avec Josué. Et le jour de. Ils sont arrivés dans le pays, mon Dieu, te promettre là. Malgré qu'ils ont fait serment devant Josué, nous-mêmes qui lisons la Bible, nous bien. Qui ça Josué te dit? Josué te dit, malheur à nous si nous servons vieux faux Dieu qui nous quittons des Judéens. Les dieux des Amoréens, des Jébusiens, des Hétiens, etc. 110 ans, Josué te gagne. Ils font une grosse conférence à Sichem.
avant de mourir. Et puis, ils ont tout dit. Josué, n'a pas servi, bon Dieu. N'a pas servi, bon Dieu. Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué mourit, pipe, qu'ils auront passé. Période des juges. Même problème, même idolâtrie. Chaque temps, dans les idoles, ennemi vini, ils battent. Jusqu'à ce que nous atterrissons. Et ils ont vite demandé un roi. Premier roi, c'était Saül. Après Saül, David. Après David, Salomon. Après Salomon, vint un schisme dans le pays. Le pays a vint divisé 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. En 721, 10 tribus, captivité, pour être idoles. En 606, 586, 2 tribus, captivité, pour être idoles. Maintenant, je ne vais pas bien faire. Je ne vais pas résumer moi là. Mon peuple a rêve. Jésus-Christ vini, il rejette. En l'an 70, de la chrétienne, Titus vini, crasé, dispersé. Malgré, il y a tout ça qui arrive. Il y a tourné la caille puissamment, par bras puissants, bon Dieu, miraculeusement. Il y a formé un état 14 mai 1948. Il y a encore été sous territoire. Il n'y a pas quoi que Christ est le Messie. Et mais aussi, dans que l'église a levé à connaître, il va connaître sa Bible, elle est le temps d'angoisse de Jacob. Israélite vient pour souffrir en pile. En pile, il a couru, il a caché au bras. Oui. Ainsi, nous parlons concernant le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé, et puis à l'avènement de Christ. Alors, pendant la période de tribulation, mon Dieu, ça son gros bon Dieu. Israël finalement prêt à atteindre la quatrième étape. Non, processus là, ce sera le Messie reconnu. Le Messie reconnu. Il aura le reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Messie. Mais pour reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Messie, qui sort qu'on est, mon Dieu, pour le faire? C'est un gros généreux, mon Dieu, déplacé pour faire, pour reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Messie. Pendant la période de grande tribulation, dans Apocalypse chapitre 10 et chapitre 11, bon Dieu dépêché de Superman, les investis de gros pouvoirs pour sauter dans le ciel et descendre sous terre. Par rapport à acte, monsieur, ça a pral posé. Pas de menti dans ça que deux monsieur, ça a par l'autre monde que Élie et Moïse. Raison qui fait que nous connaissons Élie, c'est parce que le dernier livre dans la Bible, c'est Malachi, il était prophétisé que Élie est pour le tourner. Qui fait que si la Bible dit que Élie est pour le tourner, qui est là pour tourner? Parce que Malachi était dit que Élie est pour le tourner. Et puis, deuxièmement, nous venons Moïse. Ça fait nous connaître que c'est Élie et Moïse qui vient pour tourner. Et dans Apocalypse 10, la Bible fait connaître que bon Dieu va envoyer deux témoins. Deux témoins qui descendent sous terre, viennent prêcher, viennent annoncer, viennent parler de bon Dieu. Deux témoins, ça veut dire pour que ça nous connaisse Moïse avec Élie. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, avant que Jésus-Christ soit allé à la croix, dans Matthieu chapitre 17, Jésus-Christ montait sur une montagne bien haut. Il transfigure devant tous les disciples. Et sous tête, maintenant, il y a deux nègres. Non, c'est justement paraître qui vient converser avec lui. Et M. Sayo était dans l'environnement, trois disciples Jésus-Christ, Pierre, Jean-Jacques, deux messieurs sous tête avec Jésus-Christ à parler. Et Bible a dit, deux messieurs Sayo, Bible a identifié, c'était Moïse et Élie. Bible a dit ça, oui, Matthieu 17. Moïse et Élie descendent sous tête de transfiguration, il a parlé avec Jésus-Christ. C'est dans la période ça, Pierre dit comme ça, Seigneur, on fait trois temps. Une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Ça, c'est un gros causé, ça. Comment comprendre pour Pierre, jeune petit garçon, qui est à Jérusalem, pour le trouver, l'Iwe Eli, l'Iwe Moïse, son tête monde, pour l'identifier. Mais Pierre, pas petit garçon, hein. Est-ce qu'on est prêt à nous réfléchir à ça? Pour Pierre, trouver Eli, oui. Eli, c'est nex ça, oui, que tu es monté dans le ciel tout vivant sans pas mourir, non chariot de feu. Bon Dieu, vous en limousine, mon monsieur, montez l'aller. Moïse, c'est nex ça, oui, que tu es fait pharaon d'Égypte. Tomber. Avec les dix plaies d'Égypte. Moïse. Et il va débuter dans ce tête maintenant, oui. Il y a deux qui savent parler. Deux qui savent parler. D'abord, on m'a dit là, deux qui savent parler. L'arrivée dans le ciel, la tchèque, qui sont à Ponta. Ils ont parlé concernant la crucifixion de Christ, la résurrection de Christ et l'avènement de Christ. Et même quoi que, dans le sujet que ils ont parlé, l'arrivée dans le ciel, la tchèque, monsieur, il t'a parlé concernant l'œil tous les deux qui pour tourner. Comme les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 10. Ça que fait nous connaissons. C'est parce que tout ça, deux témoins, ça a fait. Ces bagailles
Élie avec Moïse seulement fait dans ces descents. Pas l'autre nèg qui fait. Témoin ça, il y a une capacité pour faire de l'eau tourner sans, pour faire la pluie pas tomber, pour faire la pluie tomber. Il y a une capacité pour faire du feu descendre. Les regards des descriptions témoins, il y a ces deux nègres seulement dans la Bible qu'on fait bagaille ça, c'est qui est Moïse et Élie. Ces prédications de témoins ça, captez bien, oui, pas bien, non, ça peut là. Ces prédications de témoins ça, qui pral causer que 144 000 juifs qui ont pral touché. Et ces 144 000 juifs qui ont pral touché à travers la prédication de Jésus, et bon Dieu pral tout choisi 12 000 par tribu. Dans Apocalypse chapitre 7. 144 000 mouns a, et pas 144 000 témoins Jéhovah. Et pas 144 000 haïtiens, ni américains. C'est 144 000 qui ça. Juifs des 12 tribus d'Israël. Dénomination qui a dit, yo c'est Israël par la foi. Yo. Ça, pas capable normal pour que Israël, Paul, dans Apocalypse 10, dit comme ça, Dieu n'a, dans Romains 10, dit comme ça, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et un jour, à la fin des temps, Israël sera sauvé pour camper pour dire qu'on c'est Israël par la foi. Non. Eh bien, écoutez, non. À travers la prédication, les 144 000, la Bible a fait qu'on est que yo pral gaillé sous qui ça? Sous tout Israël, sous toute terre. Et puis, dans Apocalypse 14, yo fait qu'on est que après ministère 144 000, yo, maman, pour tourner bibou rapidement. Dans Apocalypse 14, parce que je dis en pile bagaille, puis l'heure l'allée avancer. Tandis que ça qui dit dans Apocalypse et 14, il dit comme ça, et l'homme prend et verset qui correspond, alors qui t'aime prend Apocalypse 10 là, qui t'aime pour avec travail témoin, qui t'aime Allah, il dit comme ça, l'homme prend et verset qui correspond à ça que nous t'a parlé. Il dit comme ça. Non. Alors, il y a deux versets qui courent ensemble. Qui te prend verset premier. Dans Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10. Et non, c'est 11. OK. Il dit comme ça. Non. Apocalypse 11. Maintenant, verset et 3. Apocalypse 11, verset 3. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur... Du feu sort de leur bouche, oui. Ah, les dragons. Gros dragons, gros créatures mythologiques, yo. Et par exemple, l'homme regarde des films, tant que Godzilla, du feu absent dans la bouche. Mais il dit que ça, et pas dans la bouche bête, non, du feu absent dans la bouche moun. Il dit que si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Il doit causer et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Vous voyez, ça semble Élie. Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, ça a semblé Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie, ça a semblé Moïse. Chaque fois qu'ils le voudront, gros causé. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Qu'est-ce que la bête là? Antichrist. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Jérusalem, oui, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié, ça y est Jérusalem. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Comment les hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations, comment tout le monde a capable de voir? Et quelques 50 années de cela, commentateur, il n'y a pas de comprendre. Comment on va approuver Jérusalem pour toute la terre Kawel? Regardez, je dis à nous qu'on est. Nous qu'on est. Comment la terre. Bagay, étudiant de la prophétie, pas de comprendre. 60 ans de cela, je dis à vous comprendre. Hein? On va arriver à Jérusalem, mais toute la terre pour elle. Il dit des hommes dans tous les peuples. Verset 9, Apocalypse 11. Les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis en sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Les autres, il y a deux témoins. Antichrist a tous deux témoins. Deux supermen.
L'elle touye yo, moun sou la te fait fête. Il se réjouit en se dans l'allégresse, verset 10. Ils s'en verront des présents les uns aux autres. Il y a font gros fête. C'est temps que c'est Noël, c'est fin d'année. Il y a bay cadeau. Antichrist est déterminé, mon Dieu. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils ont une grande influence. Après les 3 jours et demi, mais cause, moi mes films dans là. Pas aimer Hollywood font film comme ça pour nous. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. 2 témoins, oui, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. On voit son édit de 2 témoins monter. Et ils montèrent au ciel dans la nuit. Et leurs ennemis les virent. Go, cause, oui. Vous voyez 2 témoins, il fait trois jours et demi à terre. Après ça, il a monté, on y a couvert. Tout le monde est là, moi. Et puis, même si il était chargé, verset 13, il dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent, gloire au Dieu du ciel, etc., etc., etc. Ça, c'est gros causé qui influence. Ça ne va pas passer. Mais qui ça va arriver? Puis devant. Mais bien aimé, après un pile problème, un pile tête chargée pendant la tribulation, un pile juif qui pral converti, un pile juif qui pral Jésus pour sauver yo, au prix de leur vie, il y a pu reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. C'est peut-être ça, en prévision à sa gain pour arriver. Dans Apocalypse 1er verset 7, lorsque Jésus-Christ apparut à Jean, tandis qu'il s'en dit dans verset 7, Apocalypse 1er, il dit comme ça, verset 7, voici, il vient avec les nuées. Là, il dit Apocalypse 1er verset 7, pas oublier, nous n'en commençons Apocalypse. Apocalypse l'a écrit, mais tout chapitre d'Apocalypse n'est pas écrit dans l'ordre chronologique. Par exemple, 2 témoins, il y en a Apocalypse 11, alors que 144 000 là, dans Apocalypse 7, alors que c'est le ministère de témoins qui en vend 144 000 là. Regardez ça, Jésus-Christ dit là. Voici, il vient avec les nuées. Dans quel chapitre d'Apocalypse, nous voyons Jésus-Christ a venu avec les nuées? 19. Mais Apocalypse 1er, il y a un bon résumé de ça qui va passer dans 19. Tandis qu'il s'en dit. Apocalypse 19 là, c'est qui ça lié? Enlèvement, bien avènement. Non. 19, c'est l'avènement. À l'enlèvement, Jésus-Christ vient pour nous. À l'avènement, il vient, il retourne avec nous. OK? Mais Apocalypse 1, verset 7, qui est un résumé, il dit comme ça, voici, il vient avec les nuées. Les nuées à rien pour avec. Les nuées à symboliser la gloire de Dieu, les armées des cieux, les cieux de l'Ancien Testament, les cieux du Nouveau Testament. Il vient avec les nuées. Il dit, et tout œil le verra. Pas que ce pas pour elle. Et puis il a ajouté pour nous, même ceux qui l'ont percé. Pas la même. Il dit tout le verra. Allez, bon entier. Là, il dit même ceux qui l'ont percé. De qui ça parle? De qui ça parle? Juvio, c'est eux qui t'ont fait, qui t'ont la cause de louer Jésus-Christ, même ceux qui l'ont percé. Faut les Bibles ou bien, oui. Et pas, bon, si la Bible a été expliquée tout ces détails, on va faire étude pour qui connaît la Bible là-bas. Mais il faut qu'il étudie la Bible là. Il, tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Pas ça? Ça a clair, c'est juvio. Et puis il dit comme ça, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça veut dire que, moun pral rele ramrey, yo pral kriye, yo pral di, gade moun, gade si la, nou pat kwe selik seyea, elik messia, gade selik messia, dim ki les ki pral reconnaître plus que tout moun, ki pral kriye en pile, gade messi kon te rejete, gade selik te messia. Qui est-ce? Pas oublier, dans Jean 1er verset 11, dit comme ça, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Eh bien, dans Apocalypse 19, Jésus-Christ reviendra chez les siens. Et les siens vont le reconnaître. C'est dans le 4e chapitre, là, nous sommes là, dans l'histoire juive. Notez, ouais, le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé par l'Antichrist, le Messie reconnu, et qu'on y a, nous avons dans Apocalypse 19, le Messie reçu. Et c'est dans la période de tribulation, Jifio pral reconnaître Jésus-Christ est le Messie. M'a pris pour même et puis m'a fermé. Nous avons posé une ou deux questions avant de finir. C'est le ça,
la prophétie a accompli, tout Israël sera sauvé lorsqu'ils verront celui-là qu'ils ont percé. Verset 1er, Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Ça fait voir ça, qu'a crié Alléluia. Donc, dans la fin de la tribulation, Jésus-Christ se prépare pour opérer son avènement. L'église finit d'enlever, nous allons le déplacer pour nous descendre avec lui. Regardez, l'on prend le pays qu'on ne connaît. Hein? Ou préparer mal et tout, et pour aller. Et ça avec un peu d'anticipation. Le coup n'y a, au final enlevé, 7 ans après, toute l'armée des cieux, tous les saints de l'Ancien Testament, tous les saints du Nouveau Testament, ils ont foule qu'on ne peut pas raconter, pour aller débarquer sous terre. Jésus-Christ devant, oh l'Éternel, je dis que ça qui me désire. Jésus-Christ devant. Et puis qui pointe bas et qui dit avant le descendre, en gros voix forte, dont foule nombreuse dit Alléluia. Vous comprenez qui foule ça? Et foule qui va descendre. Oui? Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Pourquoi même dans la foule là, non? Je commence à parler. Il dit parce que, qui est-ce qui a dit pour la foule là? Oui? Ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. Nous gagnons pour étudier ça encore, oui. Babylone la grande. Le système de corruption mondiale sera jugé. La Babylone économique, Babylone religieuse, Babylone politique. Rien pour juger. Dit Babylone la prostituée, la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Sa fumée monte au siècle des siècles. Gon équipe figure là, qui m'a donné étude, et les 24 vieillards qui symbolisaient l'Église, les saints de tous les siècles, et les 4 êtres vivants qui symbolisaient la création tout entière. Si l'Église était convenue dans l'étude, ah là, n'ta connaît. Ah, il y a parfois me secouer tête, moi. Moi, dis côté gêche, n'a pas un coup, non? Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu. Et adorait Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Mais qui ça tout cause ça, oui? Quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il faut nous comprendre dans notre étude que le mariage de l'Église avec Christ aura lieu au ciel. Mais le voyage des noces, c'est dans Apocalypse 19, côté que le règne millénaire servira comme yon temps côté que l'époux et l'épouse pral diriger la terre après les noces de l'agneau. Ça dit go causer ça oui. Ça sont l'autre étude. Il dit comme ça, réussons et soyons dans l'allégresse, Apocalypse 10 verset 7. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Éphésiens 5 verset 24 26. Mais verset 8 a dit comme ça, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça, c'est figure de fin lin éclatant impur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et pour montrer, rad ça, c'est rad spirituel que oui. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Aussitôt que tout baille sur fin dit, noces de l'agneau est faite et l'église pral descendre pour le festin. Ou par contre, le mariage fini, puis pral gen festin des noces. Eh bien, Bible a comparé festin des noces là à descente Jésus-Christ dans Apocalypse 19 pour lui régner 1000 ans sous terre. Parce que tout de suite après ça, dans verset 11, il dit comme ça, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Dans Apocalypse 4, verset 1, si elle l'a été ouvert pour Jean monter, Jean symbolise l'église. Mais là, dans Apocalypse 19, verset 11, si elle l'a ouvert pour l'église descendre avec Jésus-Christ. Il dit, je vis le ciel ouvert et voici par un cheval blanc. Pour personne ne pas gagner doute sur qui est-ce qui montait cheval ça. Il dit, celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Pour personne ne pas identifier peut-être pas qui est lié, Bible a tout expliqué. Ses yeux, nèg qui était sur cheval là, monde qui était sur cheval là, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ça veut dire que son monde qui a autorité. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et puis son nom est qui ça? La parole de Dieu. Quel monde l'a dit qui est ça? Jésus. La parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Des boutons de les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Des boutons de d'un fin lin blanc pur. Des boutons de paroles armées qu'on est que c'est l'église. L'église là tout. Et puis, en parlant de Jésus, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et puis, il dit comme ça, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit. Qui ça nom est? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est là ça pour Israël, le Messie sera reçu. Ainsi, en parlant de conversion d'Israël, au compte dans quel chapitre il est là? C'est 5 chapitres. Il y a le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé, le Messie reçu, le Messie reconnu, le Messie reçu. Vous connaissez dans qui chapitre d'Israël et la Gounia? Il y a un chapitre le Messie rejeté. Aussitôt que l'église enlevée, il n'y a pas d'abord des chapitres le Messie remplacé. Après un pile douleur, pendant la période de tribulation, il a tombé dans un chapitre le Messie reconnu. Jusqu'à ce que dans l'Apocalypse 19, Israël tombe dans le Messie reçu. Il n'est pas belle pour qu'on le bon Dieu, pour comprendre ce qui va le passer. Est-ce qu'il y a une question? Je vais fermer. Grande question, sur samedi. Et mon micro la fréga mettre ça dans mémoire pour qu'on prenne quelques une ou deux minutes avec question et pour sous ça qu'on dit ça va permettre que vous compreniez comment pour placer l'église par rapport avec Israël, par rapport avec ça qui a passé dans le monde actuellement, par rapport avec ça qui est pour passer et concernant ces 5 chapitres dans l'histoire d'Israël. Frère Oni, qu'est-ce que question là? Oui, question pas normalement il y a deux questions mais il y a une qui déjà répond. C'est une question que tu as sur 144 000 monde. C'est parce que 144 000 juifs. Là. Mm-hmm. C'est parce que vous avez déjà répondu, mais alors je te dis, et que je pensais que comment tu as pas joué 144 000 juifs là, parce que les juifs, il y a encore aussi 2% qui vraiment reconnaissent Jésus et Messia. Je pensais que ça suffit, mais alors on vient avec 2% déjà. Deuxième question, c'est, vous parlez de côté, vous parlez de idole là, côté dans le temple. Je me demande qui temple ça? Est-ce que le temple qui parle rebâti, est-ce que le temple qui est déjà rebâti dans le vous parlez de là, ou bien est-ce que sinon l'autre temple, il n'y a pas le côté idole ça? C'est une belle question, frère Oni. Et le fait même que 2 Thessaloniciens 2 fait connaître que Antichrist vient pour placer une idole dans le lieu très saint et pas un temple qu'on y a. Ça veut dire que pendant la période de tribulation, il y a un temple qui bâtit. C'est un verset qui montre nous que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et Daniel 9, verset 27, fait nous connaître que tu es en prophétisé que il y a une abomination qui vient pour placer dans le temple là. Jésus-Christ reprend ça, Daniel, te dit dans Matthieu 24. Ça qui veut dire que c'est un fait, c'est prophétisé qu'il y aura un autre temple construit à Jérusalem. Mais pour le moment, si de côté temple là, c'est seulement une ancienne muraille qui est là, et sous site là même, il y a une mosquée, et je vais visiter le dernier temps à Israël. Et la question que un peu me poser, si il y a une mosquée sous site temple là, comment
y a capable craser mosquée pour bâtir temple là. Nous pas connait comment ça va le fait. Mais seul ça nous connaît Bible a dit pral gon ap gon l'autre temple, ap gon l'autre temple. Et juif yo qui connaît que pral gon l'autre temple, yo gon institut même que yo créé qui c'est institut de la reconstruction du temple, yo fait connait que le nouveau temple est déjà préfabriqué à n'importe qui moment et toute bagaille préparée stage là les bail possibilité y a rebâti prochain temple là. Et si frère Oni prochain temple l'a bâti quand même parce que Bible a dit l'a bâti même si ne pas connaît comment l'a bâti mais l'a bâti. Est-ce que vous avez une autre question frère Ronel? Question que moi gagné m'a demandé finalement les juifs reconnaître que Jésus-Christ est lui qui Messie, est-ce que c'est avant la bataille d'Armageddon ou bien après? Reconnaître que Jésus-Christ c'est le Messie, il y a reconnaître ça depuis avant la bataille d'Armageddon en grande partie, parce que d'ailleurs 144 000 qui ont pour choisir pour parler, pour prêcher l'évangile du royaume, c'est dans mi-temps tribulation même, il y a proposé un gros travail. Et ça qui veut dire que bien au début de tribulation, il y a proposé un gros travail. Et ça peut le faire que grand pile juif, cap gentan préparé pour yo capable comprendre que Jésus-Christ est le Messie. Et ça fait un. Deuxièmement, tout grand groupe qui peut le comprendre ça, c'est au milieu de la semaine, au milieu des 7 ans de tribulation, lorsque Antichrist prend l'image, il place dans le lieu très saint. Maintenant, lorsque Jésus-Christ venit, après la bataille d'Armageddon, et côté juif, côté païen, de pour te prendre Mac la bête, de pour te prendre Mac et Mac la bête pour pas te prendre, de pour te prendre Mac la bête ou tout condamné. C'est ça. Il caractérise dans Matthieu 25 comme le jugement des nations. Toutes les nations qui ont suivi l'Antichrist seront jugées. Et tous les Juifs qui ont reçu la marque de la bête, qui ont suivi l'Antichrist seront jugés. Nous avons étudié ce qu'on fait avant d'entendre Apocalypse 13. Côté que, dans mi-temps de tribulation, mon a tellement fanatique Antichrist, il a fait carnaval pour lui. Il a pris l'amoué pour Antichrist. Il a dit qui est semblable à la bête. Il va dire qu'à se causer. Peut-être ça, les crises descendent. Ah, il peut opérer le jugement. Qui fait que c'est dans le contexte que la réponse à la question est placée. Ils ont parti à quoi? Dans la mi-temps semaine, dans la mi-temps de tribulation, à cause du ministère de témoins, 144 000 et juifs également. Et puis ça prend le débouché lorsque Bata Armageddon arrive, Christ paraît, et juifs là, qui était fait équipe avec Antichrist, il a jugé et condamné. Et c'est comme ça la Bible a enseigné. C'est pour sa question, hein, frère Ounel. C'est avant bataille et Armageddon. Est-ce que j'ai une dernière question? Puis me fermer. J'ai une question que on dit te poser. Elle dit comme ça. Est-ce que n'a toujours à quoi glorieux l'Église retourner sous terre encore? Moi, j'ai une étude qui me sur ça. L'Église retourner sous terre. L'Église retourne sur terre, n'a descend avec Christ, mais l'un descend avec Christ, gon ville cap descend avec nous. Pendant que la terre gagne pour expérimenter 1000 ans de gouvernement en bas règne Christ, l'Église cap vive dans dimension céleste, a descend sous terre, mais la descend sous terre dans ville. Gon place ça, Jésus-Christ dit il va le préparer pour nous. Il dit comme ça, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviens et je vous prendrai avec moi. Bah, ça font étude sur lui encore parce que il y a des gens qui confondent ciel là avec la nouvelle Jérusalem. Le ciel, c'est le ciel. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville. C'est une ville. L'on petit bon Dieu mourit dans les bras du Seigneur, là dans le ciel, dans la présence du Seigneur. Mais la Bible a fait connaître que Gonville, Jésus-Christ a construit, ville là qui est pour descendre, lorsque l'Église descend, c'est ville, c'est la nouvelle Jérusalem.
Le Jésus-Christ vient d'établir un millénaire sous terre. L'Église a régné avec lui. Mais notre cité sera la nouvelle Jérusalem. Cette ville, ville ça, ce n'est pas moins qu'inventée. Dans Apocalypse 21, il y a une dimension ville là. Il y a comment porte yo fait, comment poteau yo fait, comment muraille yo fait, tout bagay clair. M'oblige à faire une étude sur ça. Encore, pour moun konnen que ça fait place ça. Et voyez, blague liye. Ouais, sérieux lié. Nouvelle Jérusalem nan la pendier dans non espace que moun capable wè. Ou ka imaginer va et vient saint yo a fait de la Nouvelle Jérusalem au palais royal à Jérusalem pour que yo capable gérer les affaires du roi des rois, du seigneur des seigneurs dans notre propre ville, on ville qui fait avec pierre, jaspe, sardoine, aimé wood. Tout nous pas en l'île. N'a pas Christ 21. C'est pas tu casse causer. Et si corps de gloire, oui. Et frère Senatus, n'a pas non corps de gloire et les papes même corps avec monde qui pral vivre sous terre dans royaume Christ. N'a pas oublier la terre dans le règne millénaire a continuer faire petite toujours. Mais non règne de justice et de paix. Et Jésus-Christ pral mettre un règne de paix sous terre à côté que monde a capable recommencer vivre va le temps monde te connait vivre dans temps noyé dans temps longtemps. Dans Isaïe 11, il fait connait que à 11 ans dans le règne millénaire de Christ, yon mon a un teenager, un adolescent à 11 ans. Vous pouvez imaginer ça, à 100 ans, je dit, à 100 ans, je dit 11 ans, à 100 ans, on continue Dieu. Dans Isaïe 11, il dit, il fait qu'on est ça. Vous pouvez imaginer, à 100 ans, on continue Dieu. Et, bah, il y a réel qui va arriver. Et nous disons, nous bénissons, bon Dieu, que dans le corps de gloire, on a bien régné avec Christ. Israël, son peuple terrestre, l'Église, son peuple céleste. Pendant le règne millénaire de Christ, chaque entité ça, chaque groupe ça yo a régné dans dimension pa yo, mais l'Église a gagné dans son corps de gloire, n'a dirigé avec Christ, non corps qui pas limité par le temps, par l'espace, par la matière. Le Christ va diriger terre là pendant le règne millénaire. Jésus-Christ dit déjà dans Luc 10, dans plusieurs dans évangile yo, il dit suivant Jean noté ces villes dans dispensation la grâce là, gen mon la ba autorité sous 5 villes, gen la ba autorité sous 10 villes. Ça qui veut dire que l'el t'a parlé à pas bagay et pas histoire vous faites si moun dormi nous pral chef m'pa konnen moi même pour compte moi yo capable bon responsable la Chine m'pa konnen ça dépend de ça vle et puis ça crive tout m'pa besoin prendre avion pour mal côté ça yo dans corps de gloire là nous pas besoin prendre ken transport pour mal côté ça yo nan nik din côté à nous côté a parce que nous avons un corps glorieux qui pas limité par l'espace, par le temps, par la matière. Quand il y a mon guide, alléluia. Je me fais mes assurés, oui. Que mon Dieu bénisse nous. Pendant qu'on a parlé là, je me dis, c'est fable, mais vous verrez. Je vais vous annoncer que avant longtemps, je vais vous présenter nous. Il y a un ouvrage tout neuf qui vient pour sortir, qui couvre tout le livre de l'Apocalypse. Ou même fait une pile d'études sur l'Apocalypse. Et il y a un ouvrage qui a sorti qui couvre tous les 22 chapitres de l'Apocalypse. Et priez mon Dieu pour le sortir, parce que Jean aime m'expliquer là bien simple. Je voulais tout le monde qu'on Apocalypse, malgré le compliqué, bien simple. Une plus grosse difficulté que je me suis rencontré, c'est simplifier l'Apocalypse. Oh, moi dormi dans mes temps en pile livre. Moi pensé en pile, moi réfléchi en pile. Pour que Jean m'explique au livre simple là. Pour m'écrire un livre simple, son sujet qui est compliqué. Parce que toute petite bon Dieu, avant Christ tourne, ou doit connaître l'Apocalypse aux cinq doigts. Ou pas supposé membre de l'Église pour qu'on Apocalypse. Et dans la Bible alliée, il faut qu'on ait. Amen. On nous grave pour nous prier, non, pour nous fermer. J'espère que tu passes un bon moment. Et ici, là, tu as suivi en ligne avec nous. J'espère que le moment, ça a eu, c'est ton moment qui était béni pour vous. On nous prie seulement pour nous fermer l'étude là. Et surtout pour avoir une offrande, pendant qu'on sorti, ou capable de déposer offrande dans ton. Qui devant. Papa, nous qui dans le ciel, merci pour le temps que nous avons passé. Merci du fait que pendant que Israël a traversé cinq chapitres dans la ville avec
le Messie refusé, le Messie rejeté, le Messie remplacé. Et c'est ça qui est pour rejoindre avant longtemps, jusqu'à ce que je tombe dans le Messie reconnu et le Messie reçu. Merci du fait que vous avez permis que nous recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non? Merci du fait qu'on classe nous parmi nous sauver. Gloire à toi, Seigneur. Permettre que parole ça a aidé nous, motiver nous pour nous aller partout le monde pour nous chercher la bonne nouvelle. Pour si là, eux qui n'ont pas été capables de venir dans la lumière. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous traversons une saison côté que le Messie était venu. Et nous célébrons encore la venue de Jésus-Christ parmi nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné dans ta grâce de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ce soir encore, oh Dieu, nous confessons à nouveau que Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous croyons qu'il était venu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et qu'il revient un jour nous chercher. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous attendons le jour de ton retour. En attendant, ton Église est en salle d'attente. Ton Église est en salle d'attente, Seigneur. Nous attendons cette voix, cette trompette qui sonnera un de ces jours. Et pour que les morts en Christ et les vivants puissent ensemble aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour que nous soyons toujours avec toi. Nous attendons le jour où cette ville, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel. Cette ville, cette place que tu as préparée pour tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, nous l'attendons. Bénis-nous à soyez pendant que nous avons déplacé. Bénis-nous aussi là que tu es en ligne. Aidez-nous pour nous rester fermes, attachés avec ou pas que tu n'as rien. Fais-nous déplacer et fais-nous sortir. Fais-nous aller loin de présence. Nous prions pour Israël, Seigneur. Et pour les Juifs messianiques, nous demandons toucher et couvrir. C'est avec beaucoup qu'on est, Seigneur. Nous encore prier et nous prier pour la paix d'Israël. Nous prier pour la paix d'Israël. Nous connaissons Israël, pas jamais en paix. Tout autant que ne pas reconnaître, ne pas recevoir le prince de la paix. En attendant, Seigneur, nous attendons ton retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. Que bon Dieu bénisse. Amen.